très heureux ce soir d'accueillir un si beau plateau à la boutique Potemkin. Alors ceux qui ne nous connaissent pas, on est une boutique de DVD, on est également éditeur de DVD, on accueille régulièrement une fois par semaine des réalisateurs ou des comédiens, des critiques, et on leur fait parler de leurs films ou de leur actualité. Et Gaspard Noé était déjà venu pour Love, je crois. Et là, il revient, mais très bien entouré, pour Vortex. Donc, on a Françoise Lebrun, qu'on ne présente plus. Donc, merci Françoise d'être venue. C'est une grosse actualité cette année. Un film dont on a énormément parlé de vous cette année, avec la ressortie de La Maman et la Putain, de Jean Eustache. Donc, voilà, vous n'arrêtez pas. Merci. Ouais, presque. On a Alex Lutz, je ne sais pas si vous connaissez la boutique ou si vous la connaissiez. Si je la connaissais, mais j'avais jamais vu. Bon, un plaisir de vous avoir chez nous. Il y a certains de vos films qui sont là, mais on va parler de Vortex quand même. Ouais, voilà, on ne pourra pas parler de tout. Parce que regardez, il y a tous ces gens-là qui attendent des dédicaces quand même. Voilà, c'est ça. Ils attendent des affiches et des DVD dédicacés. Gaspard, je te présente plus, t'es un ami de la boutique, et tu vas dire quelques mots sur Vortex. Puis Blanche Gardin. Non mais il se passe des choses incroyables. Parce que moi j'ai regardé Vortex, mais vous êtes incroyable dans le film. Parlez-nous de votre travail avec Gaspard. Tout le monde a cru que c'était Dario Argento, et en fait, pas du tout. On avait le même maquilleur que Marion Cotillard pour Edgar, et ça s'est super bien passé. Ouais. Moi, je suis vraiment complètement par hasard. Enfin, pas du tout par hasard. Vous avez eu la lumière, j'ai trempé. Je suis pas du tout censée parler ce soir. Ouais, mais on a décidé que c'est vous qui animiez la rencontre. J'avais décidé ça, donc du coup, je vais pas parler du cinéma de Gaspard, parce que je ne connais que Vortex. Ah, oui. Mais par contre, je l'ai vu, j'ai été choquée, vraiment choquée par la beauté de l'œuvre. Et donc, je vais tout de suite te dire, alors que je ne fais jamais ce genre de choses, et donc je suis là ce soir, ça va être vraiment... Et je connais Françoise, qu'on a tourné ensemble, et donc on s'est rencontrés cet été, et c'était une très belle rencontre. On peut le dire. On a tourné dans le film de Michel Gondry. D'accord. Et donc, voilà, et je connais Alex aussi, parce que on est collègues, de comédie. Et voilà, donc je vous laisse... Oui, on va faire passer le micro, Gaspard. Dis-nous quelques mots. C'est un peu traditionnel sur Vortex, cette idée, parce que c'est quand même un film un peu, j'ai envie de dire, nouveau ou étrange dans ta filmographie. C'est une continuité. J'avais déjà fait un film avec un héros qui était 25 ans plus âgé que moi, c'était Seul contre tous. Oui, ah oui, qui sont vraiment Seul contre tous, c'est sûr, oui. Et après, je m'étais forcé à faire des films avec des jeunes. Eh, ouais. 1, 2, 3, et puis finalement je suis revenu à des héros plus mûrs. Plus mûrs, ouais. Et tout de suite, tu as pensé à François, Non, l'idée de Vortex s'est générée très vite. Je rentrais en 2021, je rentrais des vacances de Nouvel An, j'étais avec mon père, et j'avais des dettes, et aussi c'était le confinement, donc personne ne pouvait travailler, et mon producteur. Mes producteurs, Edouard Veil et Vincent Marbel, t'as pas une idée pour faire un film à 2-3 personnages dans un lieu unique. Et je dis oui, il y a un sujet que je connais bien, c'est l'Alzheimer, ma mère l'avait vu. Je dis voilà, on peut faire un drame qui va faire pleurer dans les chaumières. Ouais. Elle dit mais c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Un homme, une femme et un fils qui n'est pas à la hauteur de la situation. Et du coup. il est à la hauteur du rôle. Ils sont tous à la hauteur du rôle. Et du coup, vous allez voir, c'est comme une blague. Non. Et puis et finalement, il y a eu un coup de chance. Il y avait un appartement qui était un immeuble qui était en vente. Il fallait saisir tout de suite s'il nous intéressait ou pas pour tourner dedans. Et du coup, avant même que j'écrive une ligne ou avant même que je contacte qui que ce soit pour jouer dans le film. On avait déjà bloqué cet immeuble en vente pour pas qu'ils le vendent tout de suite et qu'on puisse tourner dedans. Et du coup, après, on a eu un mois pour écrire les 10 lignes du scénario, ou 10 pages, des grosses lettres. Et les deux premières personnes à qui j'ai pensé immédiatement, même avant d'écrire, c'était à Dario Argento, parce que je le connais très bien, et qu'il me fait penser à mon père dans sa gestuelle et dans son comportement. Et à Françoise, parce que je l'admire depuis toujours, depuis que j'ai vu en cachette La Maman et la Putain. Il fallait le voir en cachette jusqu'à aujourd'hui parce qu'on ne trouvait pas de DVD et c'était que des copies de VHS ou de passages télé.
Et après, une fois que j'ai contacté Françoise, elle m'a dit oui, mais c'est qui va faire l'homme? Et on a eu. Immédiatement, j'ai parlé d'Argento, mais je ne le connaissais pas. Et du coup, on a commencé à parler d'autres options, mais toutes les options n'étaient pas bonnes. La seule bonne option, c'était Dario. Et j'appelle sa fille, elle me dit pourquoi tu m'appelles? Je dis, ça va te surprendre, mais est-ce que tu penses que ton père voudrait dans un film? Elle a éclaté de rire. Et elle m'a dit, mais tu veux le faire jouer? Mon père, il prépare un film. Je dis, oui, je sais qu'il prépare un film avec le même producteur, mais. S'il est retardé, je savais qu'il risquait d'être retardé. Est-ce que tu penses qu'il jouerait dans mon film? Et puis il m'a dit, il adore tes films, mais tu vas, saute dans un avion et tu viens lui parler le lendemain. Demain, j'ai pris un avion, j'étais le voir. Et il n'a pas dit ni oui ni non pendant que j'étais là. Il croyait que c'était une blague, mais comme finalement il m'aime bien, je dis, on a parlé d'Umberto D. En parlant d'Umberto D, il adore ce film, le comédien d'Umberto D, qui est l'histoire d'un vieil homme. C'est un chien. Il n'était pas comédien. Et aussi, je dis, et surtout, j'aurais pas le temps d'écrire un scénario, encore moins d'écrire des dialogues, donc c'est toi qui va parler en français comme tu parles d'habitude. Et ça l'a rassuré, il a dit ok. Et finalement, le lendemain, j'ai eu son accord. Et une fois que j'avais le rôle du père et de la mère, je me dis qui c'est qui peut ressembler à l'un et à l'autre et qui soit bon comédien. Et à l'époque, on ne savait même pas quelle serait la fonction du fils. On a décidé ensemble que ce serait un toxicomane à la retraite. On a décidé avec Dario. Et à partir de ce moment-là, je l'ai rencontré. Et j'avais adoré sa performance dans Guy. Et je me suis dit, c'est comme le Lon Chaney français. Je ne connaissais pas Lon Chaney, mais je lui ai dit, ouais, tu es l'homme au mi-visage. Et du coup, une fois que j'avais la famille, vous savez, il ne manquait plus que le petit enfant qu'on a choisi avec lui. Et avec Françoise, et après tout était bon. On avait le décor, on avait les quatre personnages, et on avait deux caméras. En avant pour la comédie. Alex, vous recevez un appel de Gaspard, vous connaissez son cinéma, j'imagine, de vivre ouais. Film. Comment ça se passe? Un certain nombre, oui. The Void, Enter the Void, et Love, et évidemment Irréversible, dans le bon sens, dans le mauvais sens, tout ça. Et non, c'est un cinéaste qui me plaisait beaucoup dans sa radicalité, mais pas sur un truc. Enfin, j'ai toujours trouvé ses films beaux. J'ai jamais trop compris les espèces de levées de boucliers polémiques ou je sais pas quoi, parce que je trouvais toujours que il y avait toujours une grâce poétique, une proposition graphique, une. Enfin, c'est des objets, quoi. C'est des vrais objets de cinéma, donc c'est quand même pour ça qu'on en fait, a priori. Et puis, j'étais tellement pas déçu. On s'était vaguement vu, mais un jour, il m'avait dit, il avait balbutié qu'il aimait Guy. qu'il avait adoré. Donc, j'étais vachement fier. Et j'ai tellement pas été déçu de la manière dont quelqu'un m'a proposé le rôle, puisqu'il un peu comme il a raconté la genèse, quoi. Mais comment ça se passe? Il dit, allô, et je fais un film. Dans un mois, qu'est-ce que ça te dit? Dans deux semaines. Dans deux semaines, t'as quoi, là? Ça sera quoi? Ah, il pourrait être toxico. Il fait bien les épaules de Gaspard. c'est super, moi j'adore ça. Et voilà, le scénario, c'est pas vraiment un scénario. C'est pas un scénario. Il y a un autre truc. Voilà. Le film qu'il avait réalisé, il avait fait juste avec un scénario de 10 pages. Il m'a dit, ouais, mais moi, c'est ce que je peux faire. 18 Il m'a dit, voilà, un scénario avec juste très peu de pages, c'est encore mieux, parce que là, tu peux respirer dedans. Ouais, non, ça, j'adorais cette idée qu'on puisse... Il avait son idée formelle, comme ça, des deux axes qui formeraient cette forme de double écran, comme ça, tout le temps. Ah, oui, on n'a pas dit que c'était un film, pour ceux qui n'ont pas vu. Comme ça, tout le long, et il y avait, bon, il y avait une vraie idée de la forme et tout. Mais non, mais il y avait beaucoup d'impro, j'ai l'impression. Et après, on pouvait, il me disait, là ça va pas, là ça va mieux. D'accord. Et vous proposiez plusieurs corps, on improvisait, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Après, moi, je me suis servi de beaucoup ce que je ressentais. Là, vous tenez la prosection au fond, vous tenez la main de François. Oui, parce que je suis très tactile. vous touchez les gens. Et en fait, du coup, je me suis pas mal servi de ça. C'est-à-dire que j'avais envie de prendre... très facilement Françoise dans les bras et de lui parler, de lui tenir la main et tout ça. Et Dario pareil, j'ai peur.
Et je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être un axe de travail. Enfin, en tout cas, je trouvais que c'était ça permettait de mettre un peu en lumière sans avoir à l'expliquer, le surexpliquer. Voilà, un père sans doute impressionnant, omniscient, grand intellectuel. Mais vous êtes père aussi dans le film. Oui, il y a une question de génération. De fils déceptif. Donc ça, je trouvais que c'était chouette. Et puis sans doute, ma mère, sans doute dans quelque chose qui a plus pardonné, plus accompagné, elle-même soignante en psy, donc peut-être dans un jeu de compréhension moins... Avec voilà, on s'imaginait des casseroles d'engueulade plus importantes avec le père qu'avec la mère, tout ça. Ce qui a permis une belle séquence où ça a l'air d'être présent sans qu'on se le dise quand je leur dis d'aller éventuellement dans une maison pour personnes âgées. Et une mère que vous perdez aussi, qui vous perd. Et dont je perds le regard. Et voilà. Enfin bon, voilà. Non, c'était... C'était chouette de faire comme ça. Ouais. Mais on peut demander à François. Mais ouais, on a continué. Merci. François, oui, non, ça, ça a été une aventure, hein, quand même, effectivement. Moi, de Gaspard, je ne connaissais pas grand-chose. J'avais vu Under the Void aussi. Et j'avais vu très peu de temps avant Lux Eterna. Et je m'étais dit, c'est très, très bien parce qu'il filme bien les personnes. C'est-à-dire qu'il y a un beau regard sur les personnes. Et donc, quand il m'a appelé, je me suis dit, tiens, ça m'a... Ah, tiens, qu'est-ce que c'est ça ? Allez-y. Et puis, bah, pareil, c'est-à-dire qu'il y avait les mêmes 10 pages pour tout le monde. Mais c'était... Moi, je fonctionne par rapport à des histoires de confiance. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de confiance évidente pour Gaspard. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais ça a marché. Tu vois, on a pu comme ça. Et puis c'est vrai que la relation avec Alex a été très tactile, mais c'était vraiment important par rapport à cette solitude dans laquelle j'étais, de ne plus pouvoir parler, de ne plus pouvoir... C'est une drôle d'histoire quand même d'incarner ça. Donc il reste le toucher. Donc, et vraiment... Vous êtes inspiré de quoi? Vous êtes allé chercher dans quoi? Vous avez vu des films? Vous avez puisé? Comment vous avez commencé à travailler? Je connaissais pas personne, hein, Tam d'Alzheimer. Donc j'ai commencé par lire autour, j'ai regardé un certain nombre de documentaires, et ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y avait pas de mode d'emploi. C'est-à-dire que chacun développe sa propre dégénérescence. Il n'y a pas un système, bon, il y a le truc, on n'a plus la mémoire, on n'a plus la parole, mais chaque, il y avait une émission, c'était incroyable, où il y avait 5 ou 6 personnes atteintes de maladie mentale, enfin je ne sais pas si on dit Alzheimer, je ne sais pas, il y a peut-être des noms meilleurs, avec leurs accompagnants. Et sur les 6, il y en avait une qui riait tout le temps. Je me suis dit, tiens, ça c'est un gros de truc. Ensuite, il y en a une qui se tirait tout le temps, qui partait tout le temps, il fallait la rechercher. Enfin, donc, sur les 6, il n'y en avait pas une qui avait... enfin, elles n'avaient pas de comportement commun. Donc, je me suis dit, vraiment, là, c'est ouvert. C'est à moi d'aller dans cette chose inconnue qui est vraiment rude. Mais je savais que Gaspard, qui connaissait un peu la question... me guidait. C'est-à-dire, je me disais, bon, je vais tenter quelque chose, et puis si ça va pas, Gaspard me dira. Donc, et ce qui a été quand même assez rigolo, c'est qu'on a dû retourner un plan 15 jours plus tard, et donc, on a tourné en continuité pendant, je sais pas, 4 semaines, non, je sais plus combien. Ça doit 4 semaines à tourner. Ouais, et donc là, ça allait, je venais le matin, je partais dans Alzheimer pour la journée, je reviens le lendemain dans et il y a eu 15 jours d'arrêt. Et à ce moment-là, c'est le... Si, on a retourné le plan de sortie vers Stalingrad. Ah oui, non. Mais non, c'est pas dire qu'il y a eu un arrêt, c'est qu'on a fait on a fait une reprise. Oui, pour moi, c'était un arrêt. Pour moi, c'est que tu as parti dans voilà. Non, pour moi, ça a été un arrêt. Enfin bon. Et donc, je sors de l'appartement, je sors comme ça. Et Gaspard me dit, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu vas beaucoup trop vite. Mais, et les yeux, ben... Et en fait, j'avais lâché le truc parce que il faut se débarrasser très vite, quoi. Mais j'avais un mentor. Il y a un truc qui est assez visible, qu'on voyait des images d'un certain degré d'Alzheimer, c'est que les gens, ils ont une espèce de regard de terreur.
et ça parle beaucoup. Et du coup, je dis, essaye de t'exprimer avec les yeux, parce que tu vois que les gens, ils sont terrifiés. Et c'est juste qu'ils ne comprennent pas qui est en face d'eux, etc. Moi qui ai vu ma mère avec Alzheimer, ça m'arrivait tout le temps que je me prenais pour mon père. Je disais, c'est qui, un truc qui est dans le film, c'est qui ce vieux qui nous poursuit? Et du coup, je l'ai mis dans le film parce que ça me faisait rigoler. Heureusement qu'on peut rigoler de ce genre de situation. Mais c'est le... et du coup, si vous êtes là dans le film n'est pas autobiographique. Mais aussi, je lui ai montré plein de vidéos que j'avais fait de ma mère. Où carrément, elle fait du bon. On l'emmenait en week-end pour qu'elle se sente bien. Et elle pensait qu'on essayait de la tuer. Et voilà, des vidéos sont claires. Elle est dans un état de terreur absolue. Plus que les gamins de Climax quand on leur a mis du LSD hein, dans l'assemblée. Juste avoir un avis de spectateur de base, hein, mais je le donne avec plaisir. Bon, moi je vous dis, j'ai été vraiment choquée par ce film parce que bon, bah, évidemment, l'interprétation est absolument dingue, les trois comédiens, enfin, les quatre avec les enfants d'ailleurs. Mais surtout, bon, moi ce qui m'a rendu dingue, c'est comment effectivement on pouvait filmer quelque chose d'aussi intime. Et d'approcher quelque chose d'aussi indicible universellement. C'est-à-dire que c'est que comment on peut réaliser ça? Et je trouve que du début à la fin, tu arrives à faire ça, qui est quand même une espèce de truc de magie pure, parce que ça pourrait être extrêmement glauque et ça l'est à aucun moment. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de suivre ce petit fil de conscience. Cette espèce de bon déjà bon le décor je sais pas si vous l'avez beaucoup retravaillé mais cette espèce d'apparence il était vide dans la décoration. Donc cette espèce de c'est génial ce décor, cet amoncellement de trucs, de milliards de trucs, on sent une vie extrêmement riche derrière de culture, de d'art, de goût pour la littérature, etc. Et cette fille qui est devenue presque rien, et à tel point que en fait les deux identités, lui et elle, se sont presque confondues. Et du coup, c'est pour ça qu'au début, moi, le split screen, j'avais vraiment l'impression que c'est devenu une seule personne. En fait, ils se sont aimés toute une vie, ils ont vécu ensemble toute une vie, et maintenant la vie étant devenue cette chose très très fine et très petite, ils sont la même chose. Et du coup, ils se parlent pas le matin, ils font leurs gestes, ils savent que et voilà. Et puis après, on découvre la maladie, et puis on découvre que finalement, on redevient une petite fille aussi. Enfin, je veux dire, tout est complètement renversant du début à la fin. Je trouve que vraiment, c'est un des films les plus vivants que j'ai jamais vu. Pardon. Merci. Non, merci à vous. C'est bien, une spectatrice qui parle comme ça du film, ça donne envie de... Sur le tournage, on savait quel était, narrativement, quel était le début de la séquence et la fin de la séquence. On ne savait pas du tout, à chaque séquence, si elle allait durer une minute ou 10 minutes ou 15 minutes. Et par exemple, il y a une séquence qui est la dernière que j'ai montée dans le film et qui est peut-être la plus longue aujourd'hui, parce que pour plein de gens, ils disent que c'est la meilleure. C'est quand lui, il essaie de les convaincre d'aller dans un EHPAD, tous les deux ensemble. Et du coup, je n'avais rien préparé, j'étais très fatigué ce jour-là. Et en plus, il y avait un problème avec le micro, j'étais derrière une des caméras. Et du coup, j'ai mis les oreillettes, mais j'entendais pas le son. Donc j'ai filmé 3 fois la prise, et j'entendais pas vraiment ce qui se disait. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai découvert la séquence entière à la salle de montage avec le bon son. Et je me suis dit, ça a chialé du début à la fin. Et effectivement, je voyais Alex qui, entre les prises, il partait aux toilettes, etc. Il disait, je reviens, et puis tu revenais. Tac, il recommençait. Et dès qu'il ouvrait la bouche, il se mettait lui à nouveau à pleurer. Elle se penche en arrière, et la tête est coupée en deux. Et ça, j'ai découvert au montage qu'en se penchant en arrière, elle devenait double. Mais c'est des accidents de tournage. Mais j'ai halluciné parce que je me dis, oh, cette séquence-là, elle va être plus chiante que les autres à monter, mais quand j'ai découvert la dernière semaine de montage, j'ai dit waouh, c'est le morceau le plus costaud du film, et j'y suis pour rien. Quoi. À part que j'ai mis deux caméras, j'ai fait le casting. Moi j'aimerais bien intervenir, parce que Gaspard n'arrête pas de dire non, ils ont tout improvisé, etc. Or, c'est absolument faux. Le scénario faisait 120 pas. Non, ce que je veux dire, c'est que quand même, il lançait un début de séquence. Oui. C'est pas nous qui le lancions. Non. Hein? Caméra, action. Oui. Ouais. Tu fais ton timide. Mais non. Et en plus,
Il est extrêmement intervenant sur l'image. J'ai envie de dire, il m'a énervé pendant un bon moment parce qu'il tirait le rideau pour avoir une bonne lumière. Et quand on est quand même dans un état un peu second, comme ça, on s'est obligé de bien jouer quand même, là. Salut l'amour. Et je dis, non, ça va Gaspard, là, c'est bon la lumière, c'est bon. Non, 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 fils de peintre, il tenait à refaire une lumière de... Ouf, enfin voilà. Aussi, on n'avait pas de projecteur, pas le moins de projecteur dans le décor. Et du coup, la seule source de lumière, c'était la fenêtre. Et du coup, on fermait le rideau pour avoir plus ou moins de luminance. Donc voilà, c'était pour rejoindre quand même assez fortement ce que dit Françoise, pour arriver à être dans un abandon comme ça, que lui décrit comme un abandon alors que non, il y a effectivement le fait que ça puisse mettre beaucoup de temps, cette histoire de rideau, ou de quelque chose d'autre. C'est comme du thé, quoi. Il y a quelque chose qui s'infuse et vous ne vous sentez pas abandonné. Et surtout, vous vous sentez avec quelqu'un qui est plus que concerné par son sujet, qui est habité par son sujet. Et donc, quand même, vous avancez. Il y a un sentiment d'avancée bornée. Je suis Potter, bien entendu. Bon, bref, c'est pas grave. Mais que quand même, vous dites, bon, ben, vous pouvez vous reposer sur quelque chose. Et surtout, quand on part dans les graviers, il nous dit, en revanche. Enfin, il intervient pour quand vraiment dans les graviers. Voilà, alors là, il le voit, il le dit. Au montage, j'ai fait un blink, un petit clignement de paupières. J'ai sauté le passage où vous partiez dans les graviers. Voilà, il peut faire ça. C'est la magie du montage. Mais je veux dire, même sur le plateau, instinctivement, s'il y a un truc ou quelque chose... effectivement, on ne tournait pas 40 fois les prises, parce qu'elles étaient longues, donc on pouvait être dans ces tunnels-là, et quand on reprenait les tunnels, ils nous donnaient quelques petits éléments à l'intérieur de ça. Donc, on se sentait tenu quand même, on se sentait tenu. Après, il y a une particularité de ce que je fais en général, je n'aime pas répéter sans la caméra. Du coup, que ce soit pour Climax ou pour ce film, je répète en tournant. Mais du coup, la première prise, c'est à la fois une prise ratée, et la première répétition. Dans ce cas-ci, c'était très compliqué à cause de l'espace, à cause des deux caméras. Donc le temps de comprendre spatialement comment aller se placer, ça prenait du temps. Et après, Françoise et Alex sont des comédiens professionnels. Ils ont l'habitude de travailler avec des réalisateurs maniaques qui font des fois la prise, etc. Ça arrive souvent. Mais Dario est plutôt de l'école de Fassbinder, il fait une, deux prises, et si il doit faire une troisième, il engueule l'acteur parce qu'il est trop mauvais et qu'il le force à faire une troisième prise, etc. Et du coup, lui, si on lui demandait plus de deux prises, il fallait vraiment négocier avec lui qu'on fasse la troisième. Sauf que la première, c'est une répète. Et du coup, souvent, je me suis retrouvé qu'on faisait trois prises, mais c'est une ou deux fois pendant tout le tournage, j'ai réussi à faire une quatrième prise. Des fois, on faisait traîner. Moi j'avais pigé un peu ce truc là à un moment donné sur l'histoire du bureau, et donc quand on partait, je faisais traîner très longtemps en reprenant des morceaux comme des bis répétitifs, enfin je radotais dans ma réplique dans mon truc. Comme ça, ça lui donnait à bouffer un petit peu. J'avais le droit d'aller. Parce qu'effectivement, il m'a rené. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, tant que je disais pas coupé, on reprend des réponses. Alors, on va peut-être prendre deux, trois questions, mais juste une quand même par rapport au dispositif. Ça a été évoqué, mais le dispositif de split screen qui donne des choses quand même totalement hallucinantes, quoi, de raccords, de prolongement, de quand Dario tend ses mains là. Il y a des choses, oui, alors c'était peut-être un accident, mais bon, ça devient du cinéma quand même, et ça devient des choses incroyables. Toi, comment est-ce que tu penses déjà au tournage? Tu parles de ces deux caméras qui ont un angle particulier, comment tu travailles au montage? J'avais fait un moyen métrage, Lux Eternum, qui est sorti en salle. Oui, il y avait déjà. Et en réalité, je voulais le tourner comme Climax en plan séquence, et j'étais tellement pas prêt que c'était un bordel dès le premier jour. Je dis putain, je suis mort.
Le film, ça, il va être raté de chez raté. Il va falloir que je le monte, finis les longues conséquences. Et du coup, j'ai demandé à mon chef-op d'utiliser une caméra et au mec qui faisait le making-of, qui fait mes génériques aussi, à Tom Penn, d'utiliser la troisième caméra. Donc on a tourné à trois caméras. Et après, j'ai monté le film en split-screen ou triple-screen. Et c'était comme ça que j'ai sauvé un film qui se dirigeait vers un ratage. Et à l'arrivée, le truc marcherait bien. Après, on m'a commandé un autre court-métrage de mode, etc. Et j'ai fait en split screen de manière plus préparée. Et j'ai compris un peu comment ça marche. Et que si un plan en mouvement à gauche, il faut que de l'autre côté ce soit en mouvement. Si un plan fixe, il faut que tu aies un plan fixe. Et si c'est même grosseur de plan, ça marche mieux. Et il y avait deux films qui m'ont inspiré, deux films de Paul Morisset. Un qu'il avait co-réalisé avec Andy Warhol qui s'appelle Chelsea Girls, mais qui est un film très ennuyeux en dehors de ça, qui est avec deux caméras du début à la fin. Et il y avait un autre qui était sorti en France à l'époque où j'étais à l'école du Lumière, s'appelait New York 42e rue. Il n'est jamais sorti dans aucun pays sauf en France, parce que je pense que personne n'avait réglé les droits de la pièce de théâtre qu'il avait inspirée. Et du coup, il y a une sortie en salle. Et le DVD pirate qui existe aux États-Unis, il a des sous-titres français à partir de la VHS française. Et le film, du début à la fin, est en split screen. Et je voyais bien qu'est-ce qui ne marchait pas dans ce film-là, alors même que j'avais 17 ans et que j'étais à l'école de lumière. Mais je me suis dit, ah, c'est une super bonne idée qui m'a utilisé. Et voilà, peut-être que quand on m'a proposé de faire un film en huis clos et que j'ai dit, ouais, c'est une histoire d'un couple, elle est l'Alzheimer, le bien des pôles. Je venais de faire deux films avec l'écran coupé, je me suis dit voilà, là ça s'y prête beaucoup mieux. Là il y a une vraie raison à l'utiliser. Et du coup je me suis dit voilà, c'est la seule. Souvent quand on fait un film, on cherche un concept qui soit bien. Et j'étais pas certain, mais le premier jour on avait tourné deux séquences. Il y en avait une qu'on avait tournée avec une seule caméra et l'autre avec les deux caméras. Et dès le lendemain, le matin, je regardais les deux séquences. Je me suis dit non, c'est tellement plus intéressant avec deux caméras qu'on a retourné la séquence qu'on avait tournée à une seule caméra dès le lendemain pour pouvoir avoir le split screen pendant tout le film. Je me dis, si après au montage on décide qu'à un moment l'image devienne simple, on pourra le faire, mais on ne pourra pas faire l'inverse. Et je suis très content d'avoir que le tout début du film et le prologue, on l'a tourné. Le dernier jour de tournage, on a demandé à Dario de retarder d'un jour sur son départ. Parce qu'avec Françoise, on avait eu cette bonne idée, c'est surtout elle qui insistait pour, et je crois que c'était une excellente idée, que ce serait bien d'avoir un moment avant que quelqu'un perde la tête, que le personnage perde la tête. Et du coup, voilà, c'était le dernier tournage du film, c'était la séquence du balcon. Non, mais ça ajoute des choses assez incroyables, même au niveau temporalité, pas de la schizophrénie personnage, mais de l'identité personnage, mais même au niveau temporel, c'est-à-dire qu'on a l'œil qui est fixé sur une temporalité et qui se décale avec une autre temporalité. Moi, je trouve ça passionnant. Et puis, il y a quelque chose qui est très enfermant aussi. C'est pas seulement un dispositif ou une bonne idée, quoi. C'est que ça nourrit vraiment le... Après, en psychiatrie, il y a une manière de traiter les traumatismes, c'est de faire parler les gens en leur faisant bouger les yeux de droite à gauche en permanence, tac, 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 et vouloir parler, puis de droite à gauche, et du coup, les gens, effectivement, apparemment, les traumatismes passent d'un hémisphère à l'autre. Je sais pas. C'est une technique qui est appliquée qui peut-être aussi au cinéma quand tu as deux écrans, peut-être que le fait que tes yeux vont de droite à gauche en permanence, peut-être que ça crée un état hypnotique qui fait que le film a l'air de passer plus vite. Le film fait 2h20, mais t'as tellement à lire. Tu me parles des vertus thérapeutiques de Vortex. Non, des vertus hypnotiques du split screen. Ouais. Non, je pense. Ouais, c'est juste que t'es dans un état second parce que tes yeux, ils n'arrêtent pas de bouger de droite à gauche parce que tu veux pas rater ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Ouais. Surtout quand on le voit, c'est plus facile à lire à distance sur une petite télé, mais si vous êtes au cinéma et que vous voyez en scope, effectivement, c'est aussi un petit jeu que tu fais avec les yeux, parce que à chaque fois, tu essayes de regarder où est l'autre dans l'image. Si tu regardes l'image où il y a Françoise, tu essayes de deviner où est Dario dedans. Tu complètes l'image. Tu complètes. Des questions à prendre, trois questions. Et l'histoire du bras qui s'allonge, qui devient, on dirait qu'il a un bras élastique, c'était un accident. Il n'était pas du tout censé
passer la main d'un côté à l'autre. Et là, c'est le comment on a tourné cette séquence, c'est très drôle parce qu'on a fait une première prise et Kiki essayait de casser le fils d'Alex essayait de casser la voiture et ça marchait pas trop parce que il faisait mais il disait tu t'arrêtes et il s'arrêtait. Et du coup, on a fait une première prise qui était bien. Tous les trois. On a improvisé. Ce qui est bien, c'est qu'il nous casse la tête. Ouais, non, mais justement, la deuxième prise, j'étais le voir et j'ai dit ouais, tu sais, ton grand-père et ton père, dans le film, ils sont sympathiques, ouais, mais ils sont un peu radins, ils vont jamais te faire de cadeau. Et dis pourquoi ? Dis, tu veux un cadeau ? Oui, t'as une idée d'un cadeau ? Oui. Et ben, si tu les écoutes pas, moi, je vais te faire un gros cadeau. Tu n'arrêtes pas tant que t'as pas cassé la voiture avec l'autre voiture. Et du coup, le gamin, une moto en plastique. Et il a eu sa moto en plastique. Mais du coup, on a pris une deuxième prise. Et je savais qu'avec Dario, j'aurais le droit à deux, trois prises maximum. Et du coup, c'était la deuxième prise. Et voilà que Kiki, on commence à prise. Et tout d'un coup, lui, il n'en croyait pas ses yeux. Dario, il n'en croyait pas ses yeux. Et Françoise, qui avait préparé toute une scène comme la précédente, tout d'un coup, il était perdu. Non, j'avais pas préparé comme la précédente. Non. Mais tout d'un coup, il a explosé en larmes. Et là, tout d'un coup, quand j'ai vu pleurer, ça m'a attristé, mais j'ai dit bingo. On a la séquence. Et vous voyez que les deux, ils s'affolaient autour de Kiki voulait son cadeau. Et à la fin, la séquence est tellement réussie parce qu'en plus, Dario, à un moment, il a perdu le il savait plus quoi faire. Il la voyait pleurer pour de vrai. Et il passe la main, il dit ça va, Françoise. Et la main en split screen devient élastique comme ça. Et je lui dis pourquoi t'as dit Françoise ? Ah, mais je sais pas, je savais pas, je voulais le sauver la situation. Et du coup, on a changé sa voix. Il dit ça va, mon amour. On a enregistré et personne ne se rend compte qu'il dit ça va, mon amour, à la place de ça va, Françoise. Raconte la séquence de ton point de vue. Non, de mon point de vue, c'est j'ai ressenti l'extrême violence de ne pas pouvoir parler. Parce que si j'avais pu avoir la parole, j'aurais dit, bon, calme-toi, allez, ça suffit, etc. Et là, dans la conception que j'avais du personnage, je ne pouvais pas parler. Donc c'était une violence à tous les niveaux sonores, intérieurs, etc. Et je n'avais absolument pas prévu de me mettre à sangloter. Mais c'est parti comme ça, parce que effectivement, c'est un élément, enfin, ça a été un instant de détresse totale. Et donc ça a été ma seule façon de... Enfin, c'est juste... J'ai pas réfléchi, hein, c'est fait comme ça. Voilà, mais donc, du coup, le petit a eu son cadeau, Gaspard a eu son plan, donc tout va bien. Et toi, Alex, vous avez eu J'ai pas eu de moto. Mais non, j'aimais bien le... J'aimais bien que cet enfant soit en vie aussi. Je trouvais ça très, très... Moi, je trouvais la séquence, bon, elle est bouleversante pour ce qui se passe au premier plan entre ces deux personnes qui un naufrage quoi. Bon, mais le positionnement générationnel je trouve beau et j'aime bien voir dans la perspective cet enfant qui vit quoi, qui pousse une bagnole et c'est pas adapté dans un enterrement, c'est pas adapté dans un moment où on est sans doute en train de se dire des choses plus graves après ce qu'on vient de se dire. C'est chouette ce qui se dit à la fin aussi au columbarium, où vous fermez la trappe. Ah oui, c'est pas les mêmes. Elle est belle, c'est dans le même maison. Ça, c'est le seul dialogue que j'ai. C'est marrant parce que j'avais écrit pour le gamin parce qu'il pouvait pas trop improviser. C'était très dur à lire pour moi. Je la trouvais. Et là, c'est une des seules fois où j'ai dû me raccrocher au personnage comme à une personne étrangère dont je dois me rapprocher. Jamais je n'aurais dit à mon fils, à un divancé. Mais bon, je veux bien admettre que ce mec-là, avec ce niveau de toxicomanie et avec sans doute une forme d'ultra honnêteté ou d'ultra franchise, puisse dire à son... Enfin, je pense qu'il peut dire ça et je pense que c'est correct de dire, enfin que c'est correct par rapport à ce qu'est le personnage et à l'histoire, de dire ben non, mais c'est pas une maison. Parce que je crois que c'est des personnages dont la foi a été quand même bien altérée, enfin la foi de manière générale. Et donc voilà. Mais c'est vrai que, est-ce que c'est parce qu'elle était écrite ou est-ce que, j'en sais rien, mais elle était
bizarrement, il était costaud. Je me dis, oh là là, bon, d'accord. Mais bon, c'était bien de le dire, quoi. C'est bizarre pour moi de citer Eustache devant Françoise, mais il y avait une chose que j'avais lue, qu'il avait dit, que quand on fait plusieurs prises d'un même plan, en général, c'est toujours le plan où il y a un accident qu'on garde. Parce que quand il y a un accident, il y a de la magie et que le... Et par exemple, on avait tourné la séquence de lui qui se remet à fumer de l'héroïne. Il n'y avait pas d'enfant qui venait derrière, mais à un moment, il y a l'enfant qui est sorti de son lit et qui est rentré dans le cadre. Et j'ai vu ça et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est horrible de voir un enfant qui regarde son père en train de prendre de l'héroïne et de fumer. Et du coup, alors, et il est reparti. C'était la dernière prise. Mais je l'ai vu. Et j'ai dit, hey, Kiki, hey, on allait, c'était la fin du tournage parce que je voulais savoir si la journée de tournage était finie. On va faire juste une dernière fois, mais cette fois-ci, tu restes et tu bouges pas. Et du coup, on a fait cette deuxième prise. Et après, la journée était finie, etc. Mais je me suis dit, putain, Dieu merci. Et ça a pressé au milieu du plan alors qu'on n'attendait pas parce que c'est tellement plus dramatique que ça ne m'était pas passé par la tête. Ouais. Ça définit bien ton cinéma. C'est horrible. C'est pas horrible pour celui qui fait le mais horrible. C'est vrai que c'est enfin. Mais lui, il se rend pas compte. J'ai eu l'occasion de voir un compliment qu'a fait Blanche à Gaspard où elle parle de beauté dans ce. Je pourrais pas la reciter, mais elle parle de beauté dans cette espèce d'atrocité comme ça. Et quand il dit c'est horrible mais c'est génial, enfin bon voilà, c'est quand même. Moi, c'est ce qui me fait me dire que j'ai de la chance de pouvoir pratiquer quelque chose d'artistique parce que, bah oui, c'est le seul endroit où l'horrible et le génial, l'indicible et le quand même proposable au plus grand nombre, le dégueulasse et que c'est beau. Il y a quand même que là que ça existe et qui fait qu'on est des... Et ça nous renvoie à notre état d'être humain de manière si implacable et c'est quand même rare... Enfin, c'est un peu en psychanalyse encore. Mais sinon, bon, voilà, je trouve que c'est formidable pour ça. Avec ce film en particulier, on est un peu au cœur du sujet. C'est peut-être mon premier long-métrage tout public, alors que j'avais fait que des films à l'intérieur de moins de 16 ans, et Lux Eterna qui était tout public aussi. Mais mon père, quand il l'a vu, il dit, c'est très loin ton film le plus dur et le plus violent, aussi parce que c'est le plus universel dans sa thématique, et ça touche n'importe quel pays, ça touche n'importe quelle classe sociale, ça touche n'importe quelle famille. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interdiction, je me suis pas posé. Ah, très bizarrement, il était interdit au moins de 15 ans en Angleterre, et pareil en Russie. J'ai pas compris pourquoi ces deux pays-là. Peut-être là aussi. Non, mais c'est peut-être à cause de l'héroïne qui le filme. Mais sinon, mais ça. Moi, j'aurais laissé tout public partout. Les Russes en ce moment. Difficile à suivre. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions rapidement voilà, avant qu'on passe à la dédicace. Oui. Alors, attendez. Que tout le monde vous entende. Moi, ce serait plutôt sur le sujet, en fait, évidemment, je vais revenir. Parce que je ne connais pas tout le cinéma, moi aussi, c'est ce film-là qui m'a fait rentrer dans la matière, et notamment le sujet, et j'ai trouvé que c'était effectivement d'une justesse assez hallucinante. Donc, effectivement, tu as mentionné ta maman, mais je me demandais pour les autres comédiens, et notamment Dario, quel était leur rapport à ça, parce qu'en fait, je me dis... Enfin, c'est que c'est tellement plus vrai que vrai, et notamment dans la relation du couple avec lui qui parle trop fort, trop souvent, des formes d'agression comme ça, qui n'en sont pas, mais qui sont absolument réelles, et cette femme qui est comme un nouveau-né sans aucune protection. Je connaissais bien le sujet parce que ma mère est morte il y a 10 ans, mais elle a eu un Alzheimer très violent. En très peu de temps, elle est morte au bout de... On lui a déclaré l'Alzheimer, 6 mois après, elle est morte, mais elle a atteint un degré de démence où elle était dans un état de terreur. C'était... Et avant ça, il y avait ma grand-mère aussi qui l'avait eu. Et mon oncle aussi. Et moi, ça va. Et moi, ça va. Ça va. Mais du coup, elle n'avait pas de rapport. Sa mère, elle est morte cette année, à 101 ans.
101 ans. Ouais. Avec toute sa tête. Ouais. Mon père, il a 90 ans, il a toute sa tête. Et il est plus, il travaille plus que jamais. Et effectivement, le personnage de mon père, du père dans le film, est un peu inspiré par mon père, qui est artiste, qui écrit, et qui par contre était très fidèle pendant toute la maladie de ma mère. Il n'a pas cherché à appeler ses maîtresses à ce moment-là. du tout. Non, il était exemplaire, super aimant. Et ça, c'est une idée de Dario. Il a dit, oh, moi, je fais le film, mais moi, je veux une maîtresse. C'est un truc très italien. du coup, on y a mis comme maîtresse la costumière du film, et qui ne veut pas de lui, en plus. Et toi, t'en vas parler de Zemmour, c'est quoi? Moi, c'est des... Ce qui me touchait beaucoup dans le film, moi, j'ai des dossiers compliqués des fois avec... Mon père, il y a eu des sujets compliqués. C'était cette espèce d'appartement qui est à la fois qui est un temps, un repère, enfin un chez-soi, un repère, un phare dans la nuit, puis un agacement, un sujet d'inquiétude, un quelque chose de détesté dans lequel on ne veut plus aller. Ça m'intéressait bien et ça me parlait parce que, bon, pas parce que ça me parlait, quoi, disons, je trouve terrible ces endroits qui sont ces endroits où on est peut-être né, où on a peut-être joué, où on a peut-être aimé des choses, et puis tout d'un coup on sait qu'on va y être confronté, que l'issue sera de le vider, de garder, de machin, de cartonner, pas cartonner, de donner, bon, bref. Et ça, je trouvais que c'était très 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 fort, et c'est aussi un acteur du film, je trouve, cet endroit. Il y a une toute petite séquence où je vais farfouiller dans le frigo pour prendre trois conneries, puis quand même voler c'est un peu quelques médicaments. Mais rien que ça, dans la manière qu'on avait d'ouvrir ce frigo, de savoir où sont les choses, elle a un éclair de conscience à ce moment-là, et c'est presque la possibilité d'une île qui dure fraction de seconde, et puis voilà, et puis d'aller chez le parent nourricier, mais qui du coup avec le père, c'est quand même pour la sortie d'une sieste interminable, on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit, pour lui prendre 500 balles. C'était des choses que je connaissais pas forcément de cette manière-là, mais où j'avais suffisamment d'endroits enfin, je crois qu'on a tous, quoi, des endroits des endroits pour aller chercher ce genre de choses qui sont dans le film. Donc effectivement, je trouve le film très vrai, très universel, et sans doute effectivement le plus violent. Excuse-moi. Ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que j'étais très étonnée par tous les retours de personnes qui m'ont dit « Mais c'est incroyable, c'est exactement ça. » Et donc, je me suis dit qu'on avait fait un bon boulot. Tu vois, parce que des personnes, mon père, ma mère, etc., et tout le monde me disait « Non, non, c'est vraiment... » Et puis, moi, le moment le plus douloureux du film, pour moi, c'est la toute fin, c'est l'appartement qui se vide. Je trouve ça c'est vraiment une grande douleur, là, c'était un de nos partenaires favoris, on peut dire. Il y a cette chose-là aussi, ce diaporama, même à l'enterrement, on se dit, une vie, ça n'est peut-être juste que ça, cet enchaînement d'images. Mais il nous achève dès le départ. On l'a découvert avec François. Je me souviens, on s'est pris la main, on a dit « Oh putain, la vache !» Oui, Il y a tout de suite Françoise Lebrun, nanana, il met les dates de naissance. Donc déjà, tu te dis « Ok, je suis en enfer, il sait que ça va aller là, on sait, nous, on l'a tourné, que ça va venir avec un mur de boîte, donc ok. » Et dès qu'on a vu, je me souviens, on a vu nos noms. Nos noms avec la date de naissance, c'était là « Oh le salaud !» Pas derrière la gueule, mais direct. C'était assez fortiche. Et puis le déroulé des photos. Et c'est voilà, les photos. Oui. Tout d'un coup, ça se résume dans, effectivement, dans... La moitié des photos, c'était des photomontages. On avait récupéré toutes les photos qu'on pouvait chez Françoise, toutes les photos qu'on pouvait de Dario Argento jeune, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et après,
on mettait toutes les photos de François d'un côté sur un mur, celle de Dario sur une autre, et aussi on récupérait des photos de lui enfant, bébé, ado, etc. Et du coup, on faisait comme des coupes rapides, dire, ouais, c'est là la même direction de lumière, là, il faut la renverser latéralement. Et du coup, on s'amusait pendant une journée à faire des associations de photos, effectivement, et maintenant, ces photomontages sont super crédibles, mais c'était que des photos montées, donc effectivement ils étaient surpris parce qu'il y avait des photos de Dario avec son épouse, et du coup c'est elle qui a la place de l'épouse. elle avec un homme, je ne sais pas qui était l'autre, mais du coup c'est Dario qui vient le remplacer avec le même chapeau. Et il y a beaucoup de voilà. Je crois que ma fille, tu l'as remplacée aussi, mais ouais. C'est ta tête qui a et à un moment donné, je me souviens d'un Noël avec mes parents, donc ça n'a rien à voir. Là aussi, tu te le prends. Parce que c'est bon, tout d'un coup, Françoise est mais j'aimais bien, moi, ce Dario, un peu, vous parliez de sa voix, tout, un peu de Aboya, tout, j'aimais bien. C'est le seul moment où j'ai pu faire une petite blagouille dans le film, parce que j'ai plus d'idées, donc je dis, et puis... évidemment qu'on est une famille avec papa qui est italien, qui crie fort. Mais j'aimais bien ce rapport-là. Parce que même dans les moments où, à un moment donné, je vais dans son bureau et on parle de la drogue et tout, j'ai adoré comment on pouvait en parler. C'est-à-dire que c'était sans doute un père qui a impressionné tout le monde, qui a impressionné tout le monde. Et c'est dans un moment où lui aussi redevient quand même une sorte d'enfant. Alors avec force mauvaise foi, parce qu'on parle des médocs, il pipote à mort, il dit oui, j'ai appelé, alors qu'il a appelé personne. Enfin, bon, bah. Mais c'est tout d'un coup, il y a cette... Enfin, c'est ce que j'aime beaucoup dans le film, il y a une présence de l'enfance quand même, avec Iki, mais aussi avec ses parents, et ce que disait Blanche, ce retour, quoi, cet inéluctable retour, c'est quand même très, très, très surprenant, quoi, ça, quand même. Dans les plans d'appartement de la fin, on voit tout ce qu'on voit clairement, et après il y a des petits détails qu'on n'aperçoit pas vraiment, sauf si on est devant un grand écran. On voit même l'écrit, quand il dit que c'est son testament, ce livre qu'il écrit sur le rêve, on voit le truc en train de partir à la poubelle, il est marqué psychique, ça part avec tous les derniers cartons, et tu dis voilà, putain, tout son travail d'un an, il va disparaître dans une décharge. Oui, pardon, excuse-moi. Mais non, parce que moi je m'inscris en faux par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, même si je comprends que ça vous est... heurté comme image à la fin, puisque c'est vous qui avez tourné le film. Je trouve qu'au contraire, les images de l'appart vide de la fin, ça donne toute la dimension spirituelle aussi au propos, parce que justement, on se dit, une vie, ça ne peut pas se résumer aux choses qu'on a aimées, à l'ego, en fait, tout simplement. Ouais, donc il y a autre chose, et c'est... Voilà, tout, c'est aussi démarrage d'une vie, aussi. Oui, c'est pour ça que c'est très, très, très vivant, ce film. C'est que, moi, je ne les ai pas trouvées glauques, les images de la fin. Je les ai trouvées ridicules, comme les vies humaines sont ridicules si on les résume à l'ego humain. Après, on avait parlé d'enchaîner immédiatement après, parce que le film s'est tourné super vite, il a été monté super vite. J'ai dit, les parents sont morts, mais on pourrait faire un film avec le personnage d'Alex. Et du coup, effectivement, il a touché l'héritage de cet appartement. Il est retombé dans la cam. Il doit donner une partie de l'appartement à l'État. Il veut me faire marauder. Et du coup, tu as beaucoup d'argent. Qu'est-ce que peut faire un junkie avec l'argent qu'il hérite de ses parents? Et voilà. Et je pense que là, on peut faire un vrai film Jean-Christian Neuf, mais avec des gens plutôt de 30, 40 ans, à Stalingrad. Ça sera horrible, oui. Ça, Vortex 2 peut-être commencera 2 ans après la première partie. Pourquoi pas, ouais. Parce que Kiki, il a pris 2 ans. Hein, Gaspard, on va s'arrêter, là pour faire la dédicace quand même, parce qu'il y a... voilà. Donc je vous remercie tous, Françoise Lebrun, Alexis, donc je vous propose qu'on se retrouve vers la table de la caisse, et puis voilà, DVD, Blu-ray, voilà.